Plusieurs employés ont quitté leur employeur au cours de la dernière année. Mais quelle sera la suite? Selon les plus récents résultats du sondage « Dans la tête des employés » par Mercer, cette tendance devrait se poursuivre pour certains segments de la main-d'œuvre et se stabilisera pour d'autres. La prochaine conférence examine d'autres résultats du sondage et s'attarde à la signification pour les employeurs. Pour animer cette conférence, je vous présente M. Daniel Imbeault, directeur principal chez Mercer Canada. Monsieur Imbeault, c'est à votre tour. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi. Malgré le fait que la COVID se soit invitée chez moi là, il y a quelques jours, donc je vais essayer d'être le plus cohérent possible. Mais donc si j'ai une petite quinte de toux, en espérant pas trop avoir d'incohérence. On va y aller rapidement. Effectivement, là, comme on le mentionnait, Mercer a effectué plusieurs recherches, évidemment, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des talents, qu'est-ce qui se passe, comme le titre du sondage le dit, là, dans la tête des employés. Les données sont très fraîches, ça vient vraiment de sortir, et puis on a combiné deux sources importantes, je pense, de données. Donc, un sondage qu'on a fait très spécifique au Canada, où on a interrogé 1000 employés là, sur leurs principales préoccupations. Vous avez la distribution un peu démographique ici, on essaye toujours d'avoir une certaine représentation de différents groupes, que ce soit au niveau de l'âge, aussi par type de revenu, etc., et aussi par groupe démographique au niveau des hommes, des femmes. C'est jumelé, ce qu'on va voir aujourd'hui, à un sondage global que Mercer fait chaque année, qu'on appelle le Global Talent Trend, ou les tendances globales en gestion des talents. Récolte en fait les perspectives, pas juste des employés, mais aussi des leaders d'organisation, des leaders de fonctions ressources humaines. Il y a évidemment des choses intéressantes là, qui ressortent à ce niveau-là. Donc, on a des données globales et des données canadiennes pour vous cet après-midi. Une des choses importantes, juste à titre de scoop un peu, c'est que l'épuisement professionnel et tout le volet mieux-être, là, c'est vraiment au centre des préoccupations d'à peu près toutes les parties prenantes. Là, comme vous le voyez, là, 81% des employés qu'on a sondés, là, on a à peu près 8200 et quelques employés qui ont répondu à ce sondage-là là, à travers le monde. On a une représentation intéressante au niveau de l'Amérique du Nord et du Canada également, qui se sentent à risque d'épuisement professionnel cette année par rapport à 63% en 2020. Donc, c'est clair que ce qu'on appelle le lendemain de veille de la COVID, même si la COVID n'est pas terminée, j'en suis la preuve vivante cet après-midi et on voit les statistiques dans la presse à chaque jour et dans d'autres médias, il y a quelque chose qui est en train de se passer et on va voir un peu comment les priorités des employés se recalibrent d'une certaine façon. Dans ce que vous allez voir aujourd'hui, bon, on a essayé évidemment de regrouper les résultats dans trois grands thèmes. On parle beaucoup du « The Great Resignation », la grande démission, là, qui je pense qui est un des concepts là, qui a commencé à faire le tour l'année passée. Je pense que selon ce qu'on voit, on parle plutôt d'une grande prise de conscience et on va voir ce que ça veut dire. Beaucoup de préoccupations aussi au niveau de la capacité de prendre sa retraite chez les employés puis auprès de certains groupes particuliers. Donc, c'est jumelé effectivement avec une insécurité, une instabilité. Évidemment, avec tout ce qui se passe en plus, bon, en décembre, on n'avait pas forcément la réalité de, par exemple, la géopolitique qui est en train de se mettre dans une situation très instable en ce moment. Donc, évidemment, ce sont tous des tendances qu'on pense, non seulement sont encore pertinentes, mais qui sont en train de s'accélérer. Et évidemment, tout le volet du retour au travail, un peu, on va essayer de voir un peu quel est le sentiment des employés à ce niveau-là, ce qu'on appelle le grand redémarrage. Qui, malgré le fait évidemment que les cas semblent réaugmenter, là, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à se dire bon, ben, comment on retourne dans un contexte de travail plus ou moins normal. Je veux juste mentionner qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui vont avoir l'air assez intuitives. Ce que je suggère à tout le monde de faire, c'est d'utiliser ces données-là de façon à documenter ou à utiliser d'appuyer nos décisions sur des faits. Et il y a quelques petits éléments surprenants qui sont intéressants, mais on va le voir ensemble. Il y a quatre volets, en fait. Donc, il y en a trois très explicites sur cette page-là, juste pour que vous compreniez un peu comment ces données-là ont été, comment les données ont été collectées. Il y a trois
auprès de l'enquête canadienne trois sources ou trois méthodologies particulières. Donc, on a fait une étude conjointe auprès de ces 1 000 employés-là. Donc, on a utilisé une méthodologie qu'on appelle the Unmet Needs Survey, qui est un sondage de préoccupation où est-ce que les employés tentent à comparer certains éléments pour dire qu'est-ce qui les préoccupe plus que d'autres. Donc, ça nous permet d'aller voir un peu quels sont les besoins qui sont non satisfaits auprès des employés, quelles sont les choses, les sphères d'opportunité d'un point de vue d'amélioration, qu'est-ce qui est entre guillemets top of mind chez les employés. On a utilisé aussi des questions très spécifiques selon notre méthodologie de sondage d'engagement, qui n'est pas foncièrement différent de tous les sondages d'engagement que vous connaissez, que vous utilisez n'importe quel des sondages qui sont là. Donc, on a des questions qui permettent de mesurer le niveau d'engagement des employés, puis aussi tout ce qu'on appelle l'attitude envers la COVID, c'est-à-dire qu'on a développé avec l'avènement de la pandémie là, des questions très spécifiques qu'on va tester dans le cadre de Pulse Survey. Donc, d'une part, c'est vraiment un ensemble de méthodologies qui normalement sont utilisées par les organisations pour vraiment, je dirais, améliorer leur proposition de valeur à l'employé pour améliorer l'engagement. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé ces méthodologies-là auprès d'une plus large population pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Le sondage global de la gestion de talent que j'ai mentionné, c'est un sondage qui est déployé chaque année au niveau global et qui recueille en fait le sentiment d'employé sur des questions très, très spécifiques et ça vient complémenter un peu les données canadiennes que je vais vous présenter. Donc, si on rentre dans le premier élément au niveau de la grande prise de conscience, évidemment, dans les questions d'engagement, bon, on va toujours un peu regarder qu'est-ce qui font en sorte que les gens vont qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont songer à quitter leur emploi. Et puis, évidemment, je pense que ce qu'on voit comme recrudescence, le salaire insuffisant, bon, depuis belle lurette, en fait, le salaire est toujours une raison pour laquelle les employés vont quitter ou vont joindre une organisation. Les budgets d'augmentation de salaire l'année dernière, malgré l'inflation qui commence pas à s'accélérer, mais qui s'accélère de plus en plus, les budgets d'augmentation de salaire n'ont pas été drastiquement supérieurs cette année. Oui, on voit un peu la pression, mais c'est clair que les employés nous disent que souvent, ben moi, si je veux améliorer ma rémunération de façon significative, donc aller chercher un bump salarial, je dois quitter mon employeur actuel et puis aller chercher ça ailleurs et donc mettre ma tête en fait ou mettre ma valeur sur le marché. Donc le salaire insuffisant reste quand même un élément important, mais tout ce qui est la charge de travail et le fait même que certains employés nous disent dans une proportion non négligeable qu'ils sont même prêts à arrêter de travailler, donc dépendamment de la situation familiale. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que évidemment la charge de travail fait en sorte, là, c'est une raison pour laquelle nous, on le vit personnellement dans le domaine de la consultation. Des fois, il y a des gens qui nous quittent parce qu'ils recherchent à stabiliser un peu leur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Puis on va venir au fait que les deux de plus en plus sont très en fusionnement. Donc le manque de souplesse aussi, donc l'exigence de travailler sur place. Il y a effectivement encore des organisations qui se posent la question, là, quel sera le modèle de travail à partir du moment où on aura la flexibilité de revenir au bureau. Donc on a une section là-dessus, mais c'est clair que c'est une préoccupation qui est parmi les plus importantes quand même au niveau du pourcentage qu'on voit là. Ce qui est, je pense, assez intéressant par rapport à ce qu'on voyait avant la COVID, c'est que en ce qui concerne les principales préoccupations, donc je parlais du unmet needs, en fait, ou qu'est-ce qui est top of mind pour les employés, quand on regarde les principaux éléments qui arrivent là, en tête de liste, là, la santé, la forme physique, la charge de travail, la réconciliation du travail et de la vie personnelle, maintenant, c'est clair que c'est la priorité pour tout le monde. Si on avait fait ce même genre de sondage-là il y a quelques années, là, on aurait vu des trucs comme l'avancement professionnel, la sécurité d'emploi qui étaient des éléments là, qui venaient. Moi, je veux avancer, je veux continuer de me développer dans ma carrière. L'ordre des priorités a complètement changé. Vous me direz que c'est peut-être pas quelque chose de nouveau, mais on l'a vérifié avec des données maintenant. C'est clair que les organisations, quand on regarde ou qu'on analyse notre proposition de valeur à l'employé, tout le volet de la santé mentale, la forme physique sont devenus des préoccupations qui sont
Absolument, absolument primordial. Donc ça, c'est un switch qui est assez important par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a vu là, dans les années passées. Évidemment, ça se retranspose un peu. La plupart des organisations, nous, avec qui on travaille, en fait, est un reflet des préoccupations des employés, des employeurs. La quantité d'organisations qui sont en train de renforcer leur stratégie au niveau du mieux-être, qui sont en train de sensibiliser les gestionnaires à la gestion du workload, c'est devenu primordial et ça répond à un besoin qui est fondamental, auprès des employés. Il y a évidemment beaucoup de choses. On va parler un peu de tout le volet financier auprès des organisations, parce que c'est pour ça qu'on est allé chercher là, des échantillons à plus haut revenu puis à plus faible revenu, parce que les préoccupations peuvent évoluer à ce niveau-là. Cette diapo-là, il y a pas mal de couleurs dedans. Je pense qu'un des volets qui est important, c'est que on voyait dans le temps beaucoup plus de variations au niveau de qu'est-ce qui était important pour les organisations en fonction du groupe d'âge. Donc, il y avait des éléments beaucoup plus reliés à la retraite, évidemment, quand on s'approchait là, des générations plus près de cet événement-là. Mais là, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est relié à la santé, la forme physique, peu importe le groupe d'âge, ce sont des préoccupations qui sont très importantes. Évidemment, pour différentes raisons. Quand on parle de charge de travail aussi, puis de l'équilibre vie personnelle, il y a beaucoup de familles qui ont été éprouvées lors de cette période de pandémie. Et c'est clair que quand vous regardez un peu la liste des facteurs qui sont les principales préoccupations, toute la santé mentale, le volet santé, forme physique, et ça vient. Très, très, c'est très élevé pour l'ensemble des groupes de travail. Beaucoup de choses aussi au niveau de la capacité de prendre la retraite, évidemment, qui augmente. Ça, c'est encore pertinent. C'est-à-dire, plus on s'approche de la retraite, la façon de planifier, puis la façon de se doter d'outils pour que les gens puissent planifier leur retraite, devient une préoccupation également, non négligeable pour les employeurs. Une chose intéressante aussi, ce qu'on appelle le rythme de vie et les temps libres, c'est sans surprise évidemment que beaucoup d'organisations aujourd'hui qui se questionnent sur le fait qu'on est devant un écran, on demande aux gens d'être productifs, on ne passe plus on passe plus autant de temps dans le trafic, on passe plus autant de temps dans des réunions qui sont physiques, qui nécessitent du déplacement, ce genre de choses-là. Ce temps-là a été remplacé par une exigence de productivité. En fait, qui commence à avoir un impact sur la santé mentale et l'impression d'être constamment sous pression et d'être constamment occupé. Beaucoup d'organisations qui sont en train de déployer des programmes pour aider les employés à bloquer leur calendrier, à insérer peut-être un petit peu plus de périodes personnelles à l'intérieur de leur cédule, de façon à être capable de décrocher un peu de cet environnement qui nous tient en isolation, mais qui nous tient dans un niveau de concentration, en fait, qui était pas nécessairement présent avant. Et donc, tous ces moments de socialisation qu'on avait, maintenant, en fait, sont remplacés par du temps productif. Donc, évidemment, ça a un impact là, sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des employés et combien fatigués les gens peuvent se sentir d'un point de vue épuisement professionnel et d'un point de vue santé mentale. Pour ce qui est. Cette slide-là est intéressante dans le sens où est-ce qu'elle n'est pas très surprenante. Quand on regarde un peu pour ce qui est de l'ensemble des travailleurs considérés comme plus à faible revenu, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de décortiquer la population dans les salaires qui sont inférieurs à 60 000 $ versus supérieurs à 60 000 $. Donc, c'est clair que la capacité de prendre la retraite est un élément qui arrive en tête de liste là, et puis qui est beaucoup plus important évidemment chez les employés qui sont à faible revenu. Donc, quand on regarde un peu aussi le type d'industrie, parce qu'on a des cotes par industrie aussi, là, ben, tout ce qui est l'industrie du commerce de détail ou l'industrie ou certaines industries du divertissement et tout ça, où est-ce que, il y a eu des périodes d'insécurité supplémentaire où les salaires peuvent être généralement pour certains types de postes moins élevés, on voit une recrudescence aussi de ces préoccupations-là. Les dépenses mensuelles à couvrir, les dettes personnelles, etc., etc. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment, là où les écarts sont le plus significatifs, évidemment, ce sont sur les aspects plus pécuniers, disons, de la proposition de valeur.
Donc, certains autres éléments sont peut-être un peu moins reliés au niveau de la, au niveau de la, de la, de, du niveau de revenu. Mais comme la sécurité d'emploi, par exemple, on voit qu'il y a un pourcentage statistique au niveau des employés à faible revenu. Mais évidemment, ces gens-là sont souvent concentrés dans des industries qui ont été plus malmenées par l'instabilité économique, l'instabilité sanitaire. Et donc, ça a un impact là, sur la perception des préoccupations. Au niveau de la répartition par au niveau de la répartition par sexe, en fait, par rapport aux hommes et les femmes, les femmes ont puis ça a fait l'objet de recherches aussi. Les femmes ont été beaucoup, un petit peu plus affectées par le volet travail à la maison. On est encore, je pense, dans un système, là, sans vouloir être sexiste ou quoi que ce soit, on est encore dans un système où les femmes, en fait, ont pris une charge plus importante sur le volet familial, alors que les gens étaient confinés. Ça se retranspose, évidemment, dans certains éléments comme la santé mentale, émotionnelle, où est-ce que les femmes ont été plus affectées que les hommes de façon générale à ce niveau-là. Donc, c'est une préoccupation plus grande pour ce groupe-là. La même chose, je dirais, dans une moindre mesure, la capacité de prendre la retraite. Mercer a fait une enquête l'année dernière, en fait, qu'on appelle le Retirement Barometers, en fait, le baromètre de préparation à la retraite. Et il a été comme ce qu'on a découvert, en fait, c'est que les femmes avec le même background de carrière par rapport aux hommes se retirent avec à peu près 25% de moins de revenus. Je n'ai pas la statistique exacte, là, mais c'est significatif. C'est relié à toutes sortes de choses, évidemment. Il y a la façon dont la progression de carrière s'effectue, les décisions d'investissement, ce genre de choses-là. Le seul truc, c'est qu'au niveau de la préparation à la retraite, je pense qu'il y a un certain travail à faire auprès des employeurs pour s'assurer que ces programmes-là soient le plus inclusifs possible. Mais c'est clair que les femmes, en fait, arrivent à la retraite avec un niveau de revenu qui est moins, donc on a encore du travail à faire à ce niveau-là, de façon à s'assurer que nos programmes soient justes et équitables. Même chose au niveau des dépenses mensuelles. Donc, le volet financier, en fait, semble préoccuper de façon significative plus les femmes que les hommes. Donc, à repenser, évidemment, quand on pense à la façon de se préparer à la retraite, quand on déploie des programmes de communication, même quand on fait le design, de s'assurer d'inclure ce genre d'éléments-là, ce genre de préoccupations-là dans l'élaboration des programmes. Donc, ce qui est intéressant aussi, quand on compare un peu aussi avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc, quand on pose la question à savoir est-ce que je n'envisage pas sérieusement de quitter mon employeur, au Canada, 63% quand même qui mentionnent qu'ils sont en accord avec ce statement-là. J'avais quelques conversations avec des clients qui disaient, puis avec des collaborateurs qui travaillent là, auprès de Qualtrics et puis de certaines organisations comme ça qui font beaucoup de sondages auprès des employés. Puis on dirait que la grande résignation, la grande démission, en fait, se matérialise moins au Canada qu'elle ne se matérialise aux États-Unis. Ce qui est un peu intéressant, c'est qu'on est encore dans un environnement où les pourcentages de gens qui veulent rester dans leur organisation sont quand même encore significativement élevés. Cela étant, il y a beaucoup d'organisations qui sentent la pression sur les salaires. Évidemment, l'inflation ne viendra pas amenuiser ce phénomène-là. Et de plus en plus, on voit là, que il y a certains postes qui sont difficiles à combler. Et le taux de roulement, moi, chez la plupart des organisations avec qui j'interviens dans certains secteurs très critiques pour leur stratégie, a tendance à augmenter de façon significative. Puis je pense que ça doit être le cas pour l'ensemble des gens qu'on a ici aujourd'hui. Les Canadiens, de façon générale, sont moins engagés qu'avant la pandémie et moins engagés que les gens aux États-Unis. Donc, quand on compare le niveau d'engagement, l'engagement est intéressant parce que c'est sûr que c'est un indicateur qui est ce qu'on appelle un lagging indicator. Donc, ça suit une certaine tendance pour que l'engagement aille d'une certaine direction ou une autre. Ça prend des événements.
On a vu l'engagement augmenter de façon générale pendant la pandémie, c'est-à-dire que les employés se sont ralliés autour de l'employeur. Donc, les employeurs se sont mobilisés et puis on a réorganisé nos trucs. Donc, on a vu qu'il y avait un effet positif sur l'engagement d'une certaine façon, mais ces chiffres-là ont tendance à s'effriter. Et puis, bon, on peut comparer avec les États-Unis, mais de toutes les façons. Mais ce qui est intéressant, là, c'est quand on compare avant la pandémie et maintenant, on semble voir une fluctuation au niveau du taux d'engagement vers le bas. Alors que durant la pandémie, moi, j'ai vu des organisations qui connaissaient des taux d'engagement qu'ils n'avaient pas vus avant, mais ça a été très, très, très en réponse à la crise et puis comment ils ont, oui ou non, su s'adapter, là, et puis sécuriser un peu leur main-d'œuvre aussi. Donc, je ne sais pas si ça a été la même chose dans vos organisations, là, mais c'est une des tendances qu'on est en train de voir. À surveiller, parce qu'évidemment, bien sûr que l'engagement diminue dans votre organisation. Normalement, ça s'accompagne d'un taux de roulement plus élevé, surtout chez les employés plus performants, malheureusement. Au niveau de ce que ça veut dire, au niveau de la proposition de valeur, nous, ce qu'on voit beaucoup dans les organisations en ce moment, c'est que ça, c'est un peu le volet historique. Il y a un volet historique ici là, de l'évolution de ce que moi j'appelle le deal d'emploi. Donc, le contrat de loyauté, le contrat plus transactionnel, ben, c'est un peu la philosophie Total Rewards, ce qu'on a vu dans le siècle dernier, etc., etc. Les organisations ont beaucoup évolué après ça sur le volet des besoins psychologiques. Là, on a vu les programmes de mieux-être, les avantages sociaux plus flexibles, là, je dirais, vers la fin des années 90, début des années 2000, pour ensuite vraiment rentrer dans une espèce d'accent sur le mieux-être et puis l'expérience employée, donc vraiment la personnalisation de la proposition de valeur là, qui était le deal un peu que je pense qu'on a vu jusqu'au début de la pandémie, là, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui mettaient l'accent sur la personnalisation, la flexibilité, l'expérience digitale de l'expérience employée, etc., etc. Ce qu'on est en train de voir, c'est tout le volet contrat de vie, c'est-à-dire la proposition de valeur à l'employé maintenant va dépasser un peu les frontières de l'organisation et va venir toucher un peu la vie personnelle. Je vois aussi beaucoup d'organisations qui tentent de développer, moi, ce que j'appellerais une proposition de valeur à l'employé qui est socialement responsable. Donc, on parle évidemment beaucoup de diversité et d'inclusion, qui est un autre phénomène qui a été un peu exacerbé par la crise sanitaire et la crise sociale qu'on a vécue, là, surtout dans les années, surtout dans le courant de l'année 2020. Donc, de vraiment recréer cette proposition de valeur-là centrée sur l'humain, s'adapter à la situation personnelle de chacun qui va des fois dépasser l'environnement du travail. Qu'on pense à ceux qui soutiennent une famille, par exemple. Qu'on pense aussi à s'assurer que nos programmes soient le plus inclusifs possible, qu'on ajuste l'expérience employée pour accommoder une expérience virtuelle, cette expérience de travail-là qui est en contact direct avec la famille, avec l'espace personnel, et comment développer un leadership qui est beaucoup plus empathique. Donc, on est en train de faire évoluer la proposition de valeur pour vraiment rentrer dans un contrat de style de vie avec un volet, je dirais, moi, très sustainability, ce que moi j'appelle le people sustainability, où est-ce qu'on va regarder l'ensemble de nos programmes en disant est-ce qu'on est un bon employeur, est-ce qu'on fait du bien à la communauté, est-ce que on prend soin de notre force de travail, mais de façon beaucoup plus holistique, de façon beaucoup plus durable. Et c'est intéressant parce que, bon, beaucoup d'organisations en ce moment avec qui on travaille sur, par exemple, l'équité salariale, que ce soit au niveau du maintien ou que ce soit au niveau fédéral, où est-ce que les entreprises ont des choses à faire dans les prochaines années, on a souvent la personne qui est en charge de la diversité, de l'inclusion, même la personne qui est en charge de la stratégie ESG pour dire quel est l'impact de ces programmes-là, de l'équité salariale dans le contexte beaucoup plus large, d'être un bon membre dans la communauté. Et ça commence à être intéressant de voir comment on positionne notre proposition de valeur. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des groupes ethniques aux États-Unis où est-ce qu'on voit beaucoup de disparités dans la façon dont la COVID a affecté ces groupes-là. Disparités entre hommes et femmes, par exemple.
Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent influencer comment les entreprises prennent des décisions, mais il y a aussi le volet que cette expérience employée-là, elle devient beaucoup plus holistique. On parle de plus de gestion d'employés nécessairement, mais de gestion d'individus dont le contexte personnel est en contact presque direct là, avec le contexte professionnel. Donc, la grande retraite, la retraite, évidemment, c'est un sujet de préoccupation avec, tout ce qui se passe au niveau économique. Et puis, donc, on s'intéresse toujours à ce phénomène-là. Ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup d'employés, une proportion non négligeable d'employés, ces données-là proviennent de notre Global Talent Trend il y a de plus en plus d'employés qui pensent travailler, qui pensent qu'ils vont travailler beaucoup plus longtemps. Une proportion assez intéressante, 12% qui pensent ne jamais prendre leur retraite. Donc, travailler jusqu'à 5 ans après l'âge de la retraite, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu que les gens sont en train de se faire à l'idée que la retraite n'arrivera pas nécessairement, peut-être au moment où ils l'avaient planifié, ou ça n'arrivera pas dans un horizon à court terme par rapport à là où ils sont, évidemment, dans leur cycle de vie, là. Et les raisons pour ne pas prendre leur retraite, évidemment, bon, il y a beaucoup de gens qui veulent demeurer occupés, demeurer mentalement actifs. Bon, il y a toutes sortes de raisons, peut-être un petit peu plus personnelles à ce niveau-là. Mais c'est clair que, de façon générale, ce sont surtout des raisons financières. Donc, on a essayé aussi de voir un peu, est-ce qu'il y a des différences entre ce qu'on appelle une main-d'œuvre energized workforce versus non-energized. Ce sont des données qui sont rapportées de façon individuelle, là. Donc, les compagnies qui affirment que leur main-d'œuvre est dynamique sont 1,7 fois susceptibles de prévoir la retraite progressive vers 2022. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Bon, tout le volet de la retraite progressive, il n'y a pas grand-chose de niveau à ce niveau-là. Et il y a certaines stratégies là, que les organisations sont en train de déployer, là, donc permettre d'adapter les prestations de retraite pour répondre aux circonstances individuelles, différentes options d'emploi de façon proactive aux employés plus âgés, travailler par projet à la pige. Donc, de plus en plus, il y a de l'air. Quand on parle d'un modèle de travail flexible, ce n'est pas juste au niveau de travailler de la maison ou travailler du bureau, mais c'est aussi sur la façon d'interagir ou la nature du contrat d'emploi là, qui est à regarder, là, travail à temps partiel ou travail plus flexible à la retraite. Donc, il y a quand même beaucoup d'organisations qui commencent à, ben, qui commencent pas, mais qui regardent ce genre d'éléments-là de façon à pallier un peu, laisser de l'espace pour ceux qui veulent progresser, mais en même temps, beaucoup des travailleurs plus âgés ont des connaissances critiques, et puis on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre de toutes les façons. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. La capacité de prendre la retraite, si je reviens à des données plus canadiennes, là, dans le sondage qu'on a déployé en décembre de l'année dernière, ben, évidemment, le pourcentage, ceux qui sont à revenus plus faibles dans une proportion plus grande, évidemment, c'est une proportion la capacité de prendre sa retraite est une préoccupation importante dans une plus grande proportion. Et encore une fois, ben, ce sont les mesures qui sont à prendre là, pour soutenir les employés à ce niveau-là. C'est des modalités de travail flexibles, là, favoriser le bien-être financier, s'assurer d'avoir une meilleure communication sur les modalités de vos programmes, s'assurer que les gens y participent, donc de faire beaucoup de campagnes là-dessus. C'est sûr que les employeurs considèrent qu'ils ont une responsabilité morale d'aider les employés et de les accompagner vers la retraite là, et s'assurer qu'on réduise le stress là, par rapport à ces enjeux-là. Donc, si je vois peut-être un peu plus au niveau du ce que j'appellerais ce qu'on appelle le grand redémarrage, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a la plupart des employeurs en ce moment sont en train de se poser la question comment je vais revoir et adapter ma proposition de valeur aux nouveaux membres du travail. Le modèle que vous voyez sur la page, c'est un peu le modèle qu'on utilise pour discuter de PVE ou de EVP.
avec l'acronyme en anglais, pour regarder un peu de façon très holistique qu'est-ce qui se passe d'un point de vue Total Rewards ou Employee Value Proposition. Donc, c'est clair que la plupart beaucoup de cadres qui réévaluent ce qui est important pour les employés. Donc, on a fait depuis toujours, les organisations le font depuis toujours, de regarder un peu qu'est-ce qui est le plus valorisé par les employés. Est-ce que je mets mon argent en total rewards, est-ce que je mets mon argent total rewards dans les bons buckets? Je pense que la lorgnette qui est de plus en plus importante, c'est vraiment de lier le mieux-être aux valeurs. Donc, tout le volet mieux-être, le volet gestion de la carrière est de plus en plus aligné avec la culture de l'organisation. Quand on regarde un peu ce qui cause du stress chez l'employé, on s'est rendu compte qu'évidemment, il y a les éléments reliés le stress au travail, le stress financier, etc., etc., mais il y a de plus en plus de choses qui sont reliées à la culture de l'organisation, comment je suis traité, la clarté des objectifs organisationnels, etc., etc. Donc, les valeurs de l'organisation deviennent de plus en plus importantes. Au niveau de la raison d'être des organisations, moi, je vois de plus en plus d'organisations qui sont en train de relier, qui sont en train d'attacher les valeurs environnementales qu'elles ont, les valeurs sociales, à leur proposition de valeur. De plus en plus, les gens cherchent à faire une différence, veulent travailler pour des employeurs qui ont un impact positif sur la communauté. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ces connexions-là qui s'effectuent de façon beaucoup plus évidente et qu'elles ne le faisaient avant. Évidemment, la gestion de la carrière, le développement des compétences, beaucoup d'organisations passent à travers un repositionnement de leur modèle d'affaires. On entend souvent parler de ce qu'on appelle the future of work, la réinvention du travail, l'automatisation de certains processus. Ça a évidemment un impact sur le sentiment de sécurité que les travailleurs dans les emplois qui sont affectés, comment ils se sentent par rapport à leur sécurité d'emploi. Il y a beaucoup d'organisations qui se dotent aussi d'une stratégie de responsabilisation sociale pour continuer de garder la main-d'œuvre la plus pertinente possible sur le marché du travail. Donc, c'est assurer que si j'automatise un processus où je transforme le travail de façon importante, que j'offre des possibilités de développement professionnel, des possibilités de carrière de façon à ne pas créer de pauvreté, ne pas créer d'insécurité chez mes travailleurs. Et il y a même des organisations qui ont très, très, très avancé sur ce volet-là, qui ont ce qu'ils appellent des net job policies, c'est-à-dire si je fais quoi que ce soit, je dois recréer autant de jobs que j'en ai abandonnés pour quelle que soit la raison. Donc, on voit de plus en plus de préoccupations sociales dans la transition dans la main-d'œuvre qui sont intégrées dans les outils de workforce planning, les outils de reskilling, etc., etc. Donc, ça, je trouve que c'est une belle avancée pour les organisations qui, effectivement, peuvent se le permettre. La flexibilité est devenue un élément qu'on a ajouté dans le modèle de Mercer, ce qu'on a mis un peu au centre des préoccupations. Et puis, la façon dont cette pyramide-là est bâtie, évidemment, c'est que les éléments du bas, la rémunération, les avantages sociaux, sont les éléments contractuels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les must-have, un peu la base de la pyramide. La flexibilité est de plus en plus un élément et un pilier qui est plus, je dirais, quelque chose qu'on offre pour se différencier, mais c'est vraiment quelque chose qui est un must-have de façon à être compétitif sur le marché du travail. Donc, vraiment, la flexibilité puis la façon de travailler sont devenus des éléments, disons, qui sont plutôt à la base de la proposition de valeur, plutôt que d'être, et c'est quelque chose qu'on offre et puis ça nous distingue par rapport aux autres. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les femmes sont plus susceptibles de dire que la conciliation travail-vie personnelle s'est beaucoup détériorée. Et la génération Z aussi croit que le télétravail a eu un impact plus négatif sur leur mieux-être, c'est-à-dire ce qu'on est allé chercher comme bénéfice de flexibilité. Malheureusement, c'est que la frontière entre les deux mondes, la vie personnelle et la vie professionnelle, se sont rapprochées de façon importante. Donc, au niveau de la santé mentale, puis ce que j'appelle l'interconnexion sociales sont des préoccupations majeures. Disons, s'assurer qu'il y a beaucoup de dérangements socio-économiques en ce moment. La main-d'œuvre est de plus en plus diversifiée, de plus en plus dispersée. Donc, c'est clair que ce contexte-là fait en sorte qu'il y a une pression accrue sur la santé mentale.
Et puis, ici, ce qu'on voit, c'est un peu ce que les organisations sont en train de faire. Puis, la problématique, en fait, c'est que il y a un soutien au niveau du mieux-être, évidemment. Il y a la prévention, s'assurer que on éduque ou on équipe l'organisation à détecter des problématiques de santé mentale avant que l'employé tombe malade. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer de la résilience, tout ça, mais aussi équiper les gestionnaires à être capables de détecter ces enjeux-là. Évidemment, l'accès à des traitements, de la protection. Donc, c'est clair que ça, c'est un des volets qui est exploité de façon importante. Donc, les programmes d'aide aux employés, il y a des trucs assez standards là-dedans. Mais ça, souvent, c'est qu'il est rendu trop tard. Là, quand l'employé a besoin d'avoir accès à ce genre de service-là, ça veut dire qu'on est déjà en situation de maladie. Le soutien au travail est quelque chose d'important. Donc, la formation gestionnaire en ce moment... C'est un volet qui est très critique parce que les gestionnaires gèrent des équipes de plus en plus virtuelles, mais la détection, le soutien, l'orientation des employés, dépendamment de là où ils sont dans leur état d'esprit, devient absolument critique. Les organisations qui sont en grand changement puis en grande transformation, ce qui est à peu près toutes les organisations avec qui moi je travaille personnellement, le volet formation, le volet équipé, comme je le mentionnais tout à l'heure, la main-d'œuvre dans cette transition-là est un élément maintenant qui est critique parce que c'est le changement crée du stress, l'obligation d'acquérir de nouveaux comportements. Souvent, ça se passe très, très, très rapidement et ça cause énormément de stress. Et puis, évidemment, tout le soutien là, hors travail, que ce soit les horaires flexibles, s'assurer que le télétravail soit seamless, dans le fond, et puis la coordination du retour après l'invalidité. Moi, je dirais ce qui manque là-dedans, ce que beaucoup d'organisations aussi sont en train de regarder, c'est comment je gère le travail. On travaille en ce moment avec une organisation qui se pose des questions assez pointues sur qu'est-ce qui se passe quand j'opère comme organisation. Nous, on est dans les services professionnels, par exemple, on a regardé quels sont les touch points qu'on a avec nos employés quand on commence à travailler avec un client, quand on fait une proposition, quand on staff des projets, quand on alloue des gens sur des projets, quand ils interagissent avec le gestionnaire de projet qui n'est pas forcément leur gestionnaire de personnes. Donc, tous ces touch points-là, on les a documentés de façon à voir quels sont les pain points, quelles sont les sources de stress. Mais ça, c'est de rentrer de façon très, très, très profonde dans la façon dont les entreprises opèrent de façon à identifier des sources de stress qui ne sont pas nécessairement reliées à une situation personnelle ou qui ne sont pas nécessairement reliées à un manque de compétences dans ce que je fais ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'identifier comment dans la gestion du travail au jour le jour, il y a des sources de stress qui apparaissent, de façon à être capable de soit coacher les parties prenantes qui sont en lien avec l'employé ou juste de mettre en place des processus un petit peu plus faciles à suivre, partager de l'information, améliorer la collaboration de façon à diminuer ces sources de stress-là. Donc, il ne faut pas négliger non plus, c'est que des activités de chaque jour qui peuvent avoir l'air banales quand on les regarde en isolation viennent affecter un peu l'expérience employée, mais vraiment dans nos méthodes de travail et des choses dans notre prestation de service comme organisation. Donc, vraiment, la santé mentale, je pense, le message que je voudrais lancer ici, c'est que c'est vraiment un phénomène qui est holistique, qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus multifactoriel, puis qui nécessite auprès des organisations d'avoir une approche qui va être évidemment multidimensionnelle pour les adresser. Et ils sont très interreliés, évidemment. Donc, offrir des ressources. Ici, ce sont des données un petit peu plus canadiennes. Il y a un travailleur sur cinq là, qui a indiqué avoir souffert de dépression, d'anxiété ou un autre problème de santé mentale. Donc, c'est non négligeable. Et puis, je pense qu'on le voit, là, les journaux de façon plus large dans la société nous rapportent aussi que les gens sont beaucoup plus anxieux. Puis c'est une travailleuse sur quatre qui déclare avoir souffert d'une maladie mentale. Donc, encore une fois, au niveau des femmes, l'impact est plus grand. Donc, je pense que les organisations ont un devoir de regarder ça de façon un petit peu plus précise. Donc, les femmes et les jeunes qui sont plus stressés. Beaucoup de choses qui ressortent aussi au niveau de
Je parlais un peu de développement durable, un peu, puis de la responsabilité des organisations, ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Puis moi, je vois ça beaucoup chez les jeunes qui nous joignent, là, qui sortent de l'université, qui se posent la question dans quel genre de monde on va vivre dans le futur, etc., etc. Donc, c'est pas à négliger non plus que les enjeux sociaux, que ce soit la guerre en Ukraine ou le réchauffement climatique ou des choses comme ça, viennent un peu affecter le moral des employés. Puis nous, on mesure un peu à travers le Global Talent Trend un peu les sensibilisations, qu'elles soient écologiques ou les bouleversements sociaux. Et ça commence à avoir un impact, en fait, dans nos organisations au niveau de la santé mentale, surtout auprès des plus jeunes qui essayent de positionner leur perspective de vie dans le contexte actuel. Donc, je mentionnais tout à l'heure de s'attaquer aux facteurs de stress systémique dans le travail, le nombre élevé de réunions, la connectivité, le manque de limites par rapport au travail. Donc, le volet systémique, en fait, est super important. Tu sais, je mentionnais tout à l'heure un peu les activités de chaque jour dans l'organisation, notre prestation de service, mais c'est tout fait dans le contexte où est-ce que les gens sont connectés maintenant sur du virtuel. Et puis, ça vient créer une source de stress. Il y a beaucoup de choses qu'on... Est-ce que je peux donner l'exemple de Mercer qu'on est en train de déployer ou d'encourager les gens à bloquer leur calendrier quand ils ont les enfants à l'école ou des choses comme ça. Puis aussi de sensibiliser les gestionnaires à organiser des réunions, par exemple, qui terminent 10 minutes avant l'heure pour permettre des pauses, des choses comme ça. Moi, il y a plusieurs clients avec qui je travaille en ce moment où c'est devenu comme une politique, une façon de procéder. On a des meetings de 50 minutes plutôt que 60, fait que ça laisse un 10 minutes pour de pause entre deux appels, entre deux réunions. Souvent, ce sont des petites choses qui viennent faire en sorte que on améliore ce contexte-là qui, visiblement, est en train d'affecter les travailleurs. Au niveau du retour au travail, évidemment, ça, il n'y aura probablement pas de surprise non plus. Le volet social est super important, donc les deux principales raisons comme préoccupation principale, préoccupation secondaire de retourner au travail, la connexion avec les collègues et d'être séparé le travail et la vie personnelle. Et évidemment, disons, d'accéder à des outils, tout ça, mais le volet social, je pense, c'est ce que les personnes qui veulent retourner au travail recherchent le plus. Il y a évidemment aussi, on va négocier avec une dualité importante, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des employés qui vont vouloir retourner au travail, puis il y a des gens qui vont vouloir rester de façon un peu plus sédentaire. Donc, évidemment, les préoccupations au niveau du déplacement et puis les préoccupations relatives à la sécurité vis-à-vis de la COVID. Évidemment, la pandémie n'est pas terminée. On est encore dans ce contexte-là. Je ne sais pas si dans 2 ans, j'espère qu'on va être passé à d'autres choses. Est-ce que ça va continuer d'être pertinent? Mais c'est sûr que le déplacement au travail, disons, la perte de la conciliation travail-vie personnelle atteinte en télétravail, ça, c'est le paradoxe un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont amélioré leur équilibre vie-travail en restant à la maison, par rapport à des gens qui, veulent séparer les deux. Donc, évidemment, on fait beaucoup de travail avec les organisations pour comprendre un peu la dynamique et puis comprendre quels sont les besoins. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées aux individus, à leur statut familial, ceux qui ont des aidants naturels. Donc, je pense que c'est important de comprendre un peu les besoins des employés. Où est-ce que les employés veulent travailler? Bien, évidemment, variation, je pense, assez peut-être importante au niveau des 35-44 ans, le télétravail permanent. Moi, je pense que de façon générale, dans les proportions, on voit un peu de tout. Là. Des gens qui se disent « je veux retourner au bureau à temps plein », le modèle hybride versus le télétravail permanent. On voit quelques variations selon l'âge, là, mais de façon générale, moi, je pense que on a fait un autre sondage qui était plus là, dans l'année 2021, spécifiquement sur le télétravail. À cette époque-là, on pensait encore naïvement qu'en 2022, on allait tout retourner au bureau et qu'il n'y allait plus avoir de COVID. Là. Mais je pense que ce qui fait en sorte que les employés apprécient ou le gain d'engagement par rapport au travail hybride, c'est quand on leur offre le choix, quand on leur offre cette flexibilité-là et qu'ils peuvent décider, eux, de comment ils peuvent le faire. Là, évidemment, je pense que la plupart des organisations se posent la question. Moi, je veux créer une culture d'inclusion, de collaboration. Je veux que les gens soient là en personne. J'ai un client qui a cité, en fait, de façon très claire,
Je ramène tout le monde au bureau, j'organise l'espace de travail, etc., etc. J'ai d'autres organisations qui sont effectivement encore en train de se poser des questions sur, ben, ça va dépendre des contextes de travail. Donc, on n'a pas encore de réponse, je dirais, très claire. Je pense que ce qui est important, par contre, c'est d'expliquer aux employés qu'il y a un certain degré de flexibilité qui va continuer de demeurer, parce que je pense que tout le monde s'entend sur le fait que cette flexibilité-là, elle est importante. Là, après, quelle forme elle prendra, ben là, ça dépend des situations personnelles. Je l'ai mentionné un peu. Je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, évidemment. Tu sais, on essaye de voir un peu là, ce qu'on appelle energized workforce, employés dynamiques. Ça se traduit un peu moins bien en français, là. Mais c'est sûr que les employés qui se considèrent dynamiques, énergisés, sont plus susceptibles de pouvoir dire être en mesure d'intégrer leur travail et leur vie personnelle. Donc, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et l'état d'esprit des employés vient aussi teinter un peu leur perception sur certains différents types d'enjeux. Me sentir comme individu, me sentir moi-même au travail, donc dans une proportion de 83%, là, les employés qui se considèrent énergisés sont capables de dire oui, moi je suis capable de me sentir moi-même au travail, le sentiment de sécurité financière, etc., etc. C'est clair que, puis on voit aussi que ce qui rend, les facteurs qui rendent plus dynamique, là, lorsque les décisions sur la paie et les promotions sont prises de manière juste, équitable et sans biais, c'est facile à dire. Je pense pas que les organisations fassent des choses au niveau de ces décisions-là qui soient volontairement biaisées. Je pense que c'est dans la transparence, la communication, l'explication de notre philosophie de rémunération, l'explication des niveaux de compétences dans l'organisation, pourquoi on donne une promotion et puis pourquoi on n'en donne pas, etc., etc. Donc, ça, je pense que ce que ça veut dire, cet énoncé-là, c'est de s'assurer que dans la détermination de nos éléments de rémunération, de la progression de carrière, qu'on soit le plus clair, le plus transparent. Ça veut dire que l'organisation doit se doter des outils nécessaires de former ses gestionnaires, etc., etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus dans le message. D'un point de vue gouvernance, évidemment, quand les femmes et les minorités sont bien représentées au sein de la haute direction, bien, on voit une tendance plus positive au niveau d'énergisation de la workforce et de la force de travail. Je pense que ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le point, ça c'est notre sondage, notre Global Talent Trend qui vient déterminer ça, c'est que l'expérience employée, l'expérience consommateur, l'expérience de vie, tous ces éléments-là sont maintenant de plus en plus intégrés. Donc, il y a vraiment comme une espèce de vision holistique, comme je le mentionnais un peu plus tôt dans la présentation, sur la définition de la proposition de valeur qui considère l'employé comme étant à multiples, à une personnalité à multiples facettes. Peut-être juste pour terminer avec quelques éléments, là, juste pour un peu faire un wrap-up, là. La COVID, évidemment, n'est pas finie. Donc, l'idée, je pense, c'est de continuer de soutenir nos employés, notre écosystème de talents. Et puis, là, quelques conclusions. Moi, je dirais la revigorisation de la proposition de valeur à l'employé. Et les aider non seulement à surmonter les répercussions de la COVID, mais je pense qu'on est en train de passer à travers une phase où est-ce que les employés vont avoir besoin de plus en plus d'accompagnement et encore une fois de façon beaucoup plus personnelle et holistique. La grande retraite, évidemment, je pense s'assurer de travailler sur la sécurité financière, la proposition, la préparation à la retraite, s'assurer qu'on a des stratégies qui soient nécessaires à ce niveau-là. Évidemment, la santé mentale étant la plus grande préoccupation qu'on a observée à travers l'ensemble de tous les sondages qu'on fait. Donc, de s'assurer qu'ils aient accès. Moi, je dirais que c'est important, oui, effectivement, de déployer des programmes d'accès pour en fait les problématiques de santé mentale. Mais l'idée, c'est de dire, c'est un peu comme si je travaille dans une mine en disant j'ai une politique de santé et sécurité, là, puis je permets aux gens de se tenir en forme, je leur paye le gym, puis après ça, j'ai l'ambulance stationnée à l'extérieur de la mine au cas où il y a quelque chose qui arrive. Ce qui se passe entre les deux, c'est la gestion du travail, la gestion du contexte de travail, que je pense que les organisations de plus en plus doivent se concentrer en disant quelles sont les sources de stress. Et elles peuvent venir dans la façon dont on gère nos activités, dont on gère les activités de tous les jours. Ce seraient les trois grands messages que je lancerai là, avant de peut-être ouvrir le chat ou au niveau d'une période de questions. Il nous reste quelques minutes.
Alors, on y va, Monsieur Imbeau, avec la période des questions. Alors, votre présentation contenait beaucoup de données et les questions arrivent en grand nombre. Alors, on y va avec la première. Concrètement, que peut faire une entreprise pour se diriger vers le contrat style de vie? Ah, et ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un exercice à multifacettes. Ce qu'on fait avec les organisations, de façon générale, c'est, je vais vous ramener à la pyramide de la proposition de valeur, et puis, c'est vraiment de regarder un peu quels sont les besoins des employés à ce niveau-là, puis de regarder chacune des facettes. Évidemment, au niveau de la rémunération, au niveau des avantages sociaux, est-ce que ces avantages-là sont utilisés? Est-ce que j'investis dans les bons endroits? Est-ce que je comprends qu'est-ce qui préoccupe ma force de travail? Ça passe par beaucoup de stratégies d'écoute, mais aussi regarder un peu, on travaille avec un client en ce moment où on a déployé une stratégie de mieux-être, là, c'est être bien dans son travail, être bien dans sa vie personnelle. Et puis l'idée, ça a été d'aller chercher vraiment beaucoup de données sur les sources de stress, les médicaments consommés. Donc, travailler un peu avec vos assureurs pour voir un peu à ce niveau-là qu'est-ce qui est problématique dans l'organisation, puis d'adapter ses stratégies à ce niveau-là. Beaucoup d'écoute au niveau de la situation personnelle des employés, puis de comprendre leurs besoins, puis tenter d'amalgamer ça. Moi, je travaille beaucoup des organisations où est-ce qu'on va commencer à déterminer quels sont les personas qu'on a dans notre organisation et les facettes de ces personas-là vont toucher leur mode de vie autant que leurs besoins, disons, plus pragmatiques au niveau du package de rémunération qu'on a. Donc, c'est vraiment d'étendre un peu notre stratégie d'écoute sur ces dimensions-là. Juste pour donner un exemple à haut niveau, là, mais c'est des exercices souvent qui nécessitent justement d'aller creuser sur l'ensemble de ces dimensions-là. La santé mentale est souvent en haut des préoccupations des travailleurs, mais la rémunération l'est encore plus. Alors, comment concilier les deux? C'est une bonne question. Comment concilier les deux, vous voulez dire du point de vue de l'organisation ou du point de vue de l'individu? Bon, c'est parce que là, si je... Ben, je vais répondre. Je pense que les deux sont pas forcément mutuellement exclusifs. Donc, évidemment, la rémunération, c'est une préoccupation majeure, surtout étant donné l'inflation, surtout bon, étant donné le roulement de personnel qu'on voit. Donc, les organisations doivent s'assurer qu'ils soient maintenus, qu'ils se maintiennent de façon compétitive. Mais au niveau de la santé mentale, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui doivent travailler sur l'implantation de programmes, la communication de certains programmes. Je pense de voir aussi, quand je parlais de l'étude au niveau du baromètre sur la retraite, est-ce que j'ai des groupes qui sont dans ma propre organisation un peu plus défavorisés? On travaille beaucoup avec des entreprises plutôt globales et puis évidemment, quand ils sont présents dans plusieurs pays, on essaye de voir est-ce que j'ai un living wage, est-ce que j'ai un minimum, est-ce que mes salaires sont pas juste compétitifs, mais est-ce que je procure un style de vie qui est exempt de stress financier. Donc, il y a beaucoup plus d'organisations qui commencent à regarder ce genre d'éléments-là dans la façon de calibrer la rémunération. Donc, c'est plus juste une question de viser la médiane. Si la médiane du marché déjà ne procure pas un style de vie dans certaines régions du monde, bien évidemment, les organisations vont dire, ben, moi, volontairement, je vais me positionner au-dessus de ça. Donc, je ne vois pas nécessairement les deux éléments comme étant mutuellement exclusifs, mais c'est clair que c'est deux priorités qui peuvent, surtout pour les jobs, de façon qui sont peut-être un petit peu plus dans le bas de nos échelles salariales, l'idée, c'est de s'assurer que les gens soient traités équitablement, puis de mettre la lorgnette, parce que ça procure un niveau de vie décent aux gens. Plus en plus, les organisations se questionnent à ce niveau-là. Votre sondage contient beaucoup de données. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur la meilleure façon de l'utiliser pour planifier les priorités? Ouais, je pense qu'il faut mettre les résultats du sondage en contraste avec ce qui se passe dans votre propre organisation. Donc, de faire un diagnostic de votre main-d'œuvre, de regarder vos propres sondages. La plupart des organisations mesurent l'engagement, font des pulse surveys. Là-dedans, il y a beaucoup d'infos qui peuvent vous permettre de dire est-ce que je suis aligné avec les préoccupations du marché et commencer à prioriser un peu les actions en fonction de ça. Mais moi, je reviendrai à la proposition de valeur. Quelles sont les lumières vertes, les lumières jaunes? Est-ce que ma main
main-d'œuvre me dit qu'ils n'ont pas de vision sur leur cheminement de carrière, leur développement de compétences. Est-ce que j'ai des enjeux de rémunération? Est-ce que la flexibilité au travail est encore un enjeu chez moi? Moi, je pense que je mettrais le sondage en contraste avec votre contexte organisationnel pour voir bon, ben, quels sont les leviers que je peux utiliser pour améliorer la situation. Est-ce qu'il y a des données qui indiquent que l'engagement des employés est moindre aujourd'hui qu'avant la pandémie? Oui, mais c'est un peu, ouais, c'est ce que je mentionnais un peu. Le sondage qu'on a fait, puis on l'a fait aux États-Unis aussi, on a comparé avec nos bases de données normatives, puis on a vu effectivement un léger déclin dans l'engagement entre maintenant et avant la pandémie. Là. Donc, on a la donnée. Donc, je pourrais peut-être creuser pour voir si on peut la partager avec les participants. Là. J'ai vu dans l'actualité des sondages qui mentionnaient qu'un important facteur pour recruter des employés était la possibilité pour eux de faire du télétravail. On voit peu de données dans votre sondage à ce niveau. Oui, on a fait un autre sondage là-dessus. Donc, c'est clair que on a fait un autre sondage qui était plus en 2020, qui doit être encore pas mal d'actualité. Puis dans ce sondage-là, on disait qu'il y avait à peu près 80 % des employés qui disaient que si leur employeur n'offrait pas de flexibilité après la COVID, qu'ils allaient penser sérieusement quitter leur organisation. Donc, ce n'était pas mesuré nécessairement dans le sondage ici, là, mais on a des données qui nous indiquent effectivement que la flexibilité, là, puis le travail hybride ou le télétravail, ou appelez ça comme vous voulez, ça va devenir un élément essentiel de la proposition de valeur. Puis dans notre Global Talent Trend, l'autre sondage que j'ai mentionné, on a des données à ce niveau-là aussi. Là, la proportion des employés qui disent, ben, c'est sûr que si vous offrez pas de flexibilité, là, moi, je vais considérer un autre employeur. Est-ce que vous croyez que les entreprises devraient se doter d'une politique de déconnexion? Oui, une politique, ça fait juste une partie de la job. Je pense qu'après, c'est vraiment une notion culturelle au niveau de la culture de l'organisation, je veux dire. Puis l'exemple que je donnerais, c'est que dans certains pays comme la France, par exemple, ils ont limité, là, ils n'ont plus le droit d'envoyer des courriels après un certain nombre d'heures. Et puis évidemment, ils ont voté les 35 heures là, il y a plusieurs années de ça. Ça crée un stress de productivité qui est assez important parce qu'on doit accomplir plus de choses en peu de temps. Donc, il y a la politique, évidemment, donc une politique de déconnexion. Donc, il y a beaucoup d'organisations, effectivement, qui sont en train d'explorer ça. Mais après, c'est une question de culture. Après, c'est une question de comment je gère le travail en fonction de cette politique-là, comment l'attitude des gestionnaires de projet. Qui est aussi important, je pense, que la politique. La politique lance un message, la politique va encadrer certaines activités. Mais après, comment je me sens, moi, tu sais, c'est beau, nous autres, je veux dire, chez Mercer, on a dit, bon, chaque mercredi matin, on demande aux gens de bloquer leur calendrier pour faire de la formation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, etc., etc. La quantité de travail autour et la quantité de projets, la quantité de clients, les objectifs de rechargeables, les objectifs de vente pour les conseillers seniors n'a pas diminué. Donc, c'est un mercredi-là, est-ce qu'il vient plus causer de stress, qu'il vient régler le problème? C'est là où il faut se poser la question. Donc, la politique fait une chose. C'est peut-être un mauvais exemple, là, l'histoire de la formation, mais c'est un peu le même genre de principe. La politique va accomplir une certaine partie, va faire une certaine partie de la job, mais la culture de l'organisation, comment je calibre le travail autour, ça, c'est tout aussi important. Est-ce qu'il y a une limite dans la responsabilité de l'employeur concernant le bien-être de ses employés? Ça, c'est une excellente question. Il y a une limite à ce qu'on peut faire, ça, c'est sûr. Puis je vais donner des exemples peut-être un petit peu plus personnels. Moi, j'avais des collègues qui, clairement, ont des enjeux de gestion de leur équilibre vie-travail. La consultation, c'est reconnu, c'est quand même un environnement très, très, très exigeant. Malgré quand je regarde nos clients puis comment ils travaillent, je pense que tout le monde est dans le même bateau. Là, c'est fini le temps où les consultants travaillaient plus que les clients. En tout cas, moi, c'est mon impression. J'ai eu beaucoup de respect pour ceux qui travaillent dans le monde corporatif parce que c'est quand même pas non plus une partie de plaisir.
Ça reste aussi qu'il y a une personne, il y a une responsabilité de l'individu. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des workaholics, il y a des gens qui veulent s'assurer de contribuer, il y a des gens qui sont insécures et puis qui ont cette espèce de fear of missing out, mais au travail. Donc, ça, c'est sûr que l'employeur, lui, la responsabilité, je pense, c'est d'équiper, c'est de s'assurer, de sensibiliser les gens, mais à quelque part aussi, il y a une responsabilité de l'employé dans la gestion de son propre équilibre. Et c'est ça qui est touché parce qu'il y a des choses que l'employeur contrôle. Donc, les politiques de santé et sécurité, pour prendre un exemple très, 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 très simple et très évident, c'est clair que, bon, dans une usine ou dans un site ou sur un site de production, l'employeur contrôle les politiques de santé et sécurité, la formation, les certifications, les accidents, la sécurité de l'environnement de travail. Donc, ça, l'employeur le contrôle et puis c'est clair. Après, il y a des choses beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire si les employés ont des problématiques de dépendance ou si un employé a une problématique particulière dans sa famille, puis tout ça. Ou par exemple, je sais pas, moi c'est facile de dire aux gens de se nourrir de la bonne façon, mais on contrôle pas ce qu'ils mangent chez eux non plus. Donc le mieux-être et la santé mentale, la santé physique, c'est pour ça que c'est très très complexe. C'est-à-dire l'employeur jusqu'à quel point peut-il aller? On peut donner des outils, mais on peut sensibiliser, on peut éduquer, mais après il y a une responsabilité évidemment de l'individu. Puis c'est là que c'est un petit peu plus, c'est là que ça rend la problématique assez complexe. Donc c'est pour ça. Avec une organisation avec qui on travaille, ils ont défini le mieux-être au travail, puis le mieux-être dans ta vie. Le mieux-être au travail, on le contrôle, on va mettre un certain type de politique en place. Le mieux-être dans la vie de l'employé, ça c'est un petit peu plus complexe, mais on va quand même équiper les gens. Mais on s'entend que ce n'est pas tout à fait la même philosophie, dépendamment de la sphère qu'on est en train d'attaquer, parce que, y a des choses que l'employeur contrôle tout simplement pas. Dans un organisme communautaire où les salaires sont moins compétitifs et les opportunités d'avancement moindres, comment motiver les employés? Ça, je pense que ça peut. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations dans le secteur privé. Quand je parle dans le secteur privé, là, dans le secteur corporatif, là, qui ne sont pas des organismes communautaires ou à but non lucratif, là, qui sont en train de s'inspirer de ce que font ces organismes-là. Donc, je vais donner l'exemple de Unilever de Patagonia, qui ont relié directement leur mission sociale avec leur mission commerciale. Et puis, ils ont cascadé ça un peu dans leur culture. Et puis, donc, tout est à propos de ce qu'on appelle sustainability, responsabilisation sociale, etc., etc., équité, et puis tout le volet ESG, là, dans le fond. Et puis, je pense que pour des organismes communautaires ou des organismes, il faut tabler sur ce qu'on a de plus fort, en fait. Et puis, c'est surtout au niveau de la mission. C'est sûr que pour ces organismes-là, donc l'argent n'étant pas le facteur principal dans la proposition de valeur, en fait, l'idée, c'est de focusser sur la raison d'être, la mission, le purpose, en fait, pour être capable de motiver les gens. C'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais c'est clair que quand on travaille avec différents types d'organisations, dépendamment de leur mission commerciale, il y a une mission, disons, la mission plus sociale ou l'intervention, l'impact sur la communauté qui peut venir chercher les gens. Donc, il faut voir un peu comment non seulement on la communique, mais comment on fait vivre ça dans l'organisation de façon à ce que les gens se sentent vraiment investis d'une mission. Et puis, il faut être clair aussi sur notre promesse, notre deal d'emploi. Donc ça, c'est vrai autant pour ces organismes-là que pour une autre organisation qui serait sur un modèle un petit peu plus standard. Il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine des médias avec qui on travaille, là, surtout aux États-Unis, là, qui travaillent surtout sur le mandat qu'ils ont dans la société. Et puis c'est ce qui sert beaucoup parce que c'est pas forcément les meilleurs payeurs, mais ils ont quand même la capacité d'attirer des gens parce que ces gens-là sont motivés par le rôle que joue cette organisation-là dans la société. Donc, il faut vraiment tabler sur nos forces.